Maintenant, nous arrivons au meilleur moment pour moi, c'est-à-dire tout ce qui est plus loin du débat. Et donc, nous arrivons aux 6 derniers de la liste, qui sont ceux qui auraient vocation à être adjoints. Alors, surtout, je vais bien préciser qui auraient vocation à être adjoints si nous étions élus. Je ne veux jamais anticiper le vote des électeurs. C'est pas il sera ça, c'est si vous nous faites confiance, voilà la fonction que telle personne pourra avoir. Et donc, je vais commencer par Marcel Paul, qui aurait la fonction d'adjoint aux affaires juridiques et aux ressources humaines dans la ville. Marcel, je te laisse la parole. Merci François. Voilà, je suis issu d'une famille modeste de 4 enfants. Je suis tourangeau d'origine. J'ai 3 enfants, dont 2 sont nés ici, il y a près de 40 ans maintenant, et 6 petits-enfants, dont un petit Suisse qui est né il y a quelques semaines. Oui, une petite Suisse. À 15 ans, je suis rentré en apprentissage de préparateur en pharmacie, puis très vite, je me suis orienté vers une activité sociale, toujours au service des autres, d'abord comme éducateur auprès d'enfants handicapés, puis de jeunes malades mentaux, et auprès de jeunes toxicomanes ou sortant de prison. Également sur les bidonvilles de la région parisienne, ou bien encore auprès des personnes âgées dans diverses institutions. J'ai ensuite été amené à remplir des fonctions au sein du CCER France pour finir ma carrière en qualité de comptable, économie et finance. Parallèlement, j'ai assumé plusieurs fonctions auprès des tribunaux, comme conseiller prud'homme tout d'abord pendant 17 ans, et mandataire judiciaire auprès des tribunaux pour les dossiers de tutelle. Ça sur l'ensemble du département du Var. Actuellement, j'exerce toujours cette fonction, ainsi que celle d'administrateur ad hoc pour les dossiers de mineurs auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. J'ai repris des études à plusieurs périodes de ma vie. Autrement dit, je suis un autodidacte, mais j'aime bien aussi relever les défis. Ayant œuvré pour le service public, j'ai beaucoup appris par les relations humaines et les responsabilités qui m'ont été confiées. J'ai eu aussi plusieurs engagements dans la vie de la commune, tout d'abord avec Madame Chaton et l'association familiale, également auprès de la MJC et de la paroisse. À la demande de François Dupuy, que je remercie, merci François, j'ai décidé de participer activement à la vie publique et politique de notre commune, car je suis convaincu qu'il est possible de faire autrement, dans le souci permanent de l'intérêt de mes concitoyens. Mon rôle, en qualité d'adjoint aux juridiques et relations humaines, sera donc de concevoir et proposer une politique d'optimisation des ressources humaines de la commune. Pour ce faire, il m'est nécessaire de mobiliser les différents acteurs impliqués dans l'activité même. Pour moi, donc, il s'agit d'améliorer la communication transversale entre services et processus, et de mettre en œuvre un développement des agents tout au long de leur parcours professionnel au sein du personnel communal. J'entends en premier lieu qu'il s'agit de suivre la gestion des carrières, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la gestion du recrutement et la formation. Mais il est également très important de souligner que j'entends mettre un accent tout particulier sur la communication, l'écoute des suggestions, l'équité et les conditions de travail. Afin de valoriser les compétences, la motivation, l'information et l'organisation, il me paraît indispensable de réaliser une évaluation de la gestion des ressources humaines pour déterminer un plan d'action. Le but est de démontrer à chaque collaborateur du collectif communal qu'il est de l'intérêt de tous et de chacun d'effectuer son travail dans les meilleures conditions en gérant au mieux les talents de chacun. En effet, il ne s'agit pas de réaliser une évaluation de la gestion des ressources humaines pour déterminer une quelconque performance individuelle, mais bien plutôt de se pencher sur le côté organisationnel. Nous avons pu constater l'engagement des employés communaux, leur investissement aux choses de la commune et la qualité du travail accompli. Notre première démarche sera donc de faire, avec le directeur des services, un état de la situation et de regarder avec les employés communaux eux-mêmes ce qui peut être fait ou amélioré. Il n'est bien entendu pas question de porter atteinte à la qualité des services actuels, mais il n'est pas non plus question que ces démarches soient pénalisantes pour quiconque. En conclusion, j'ai un idéal pour la Croix Valmer, à l'identique de celui de François Dupuy, et aujourd'hui libre de tout engagement politique, avec une équipe et les personnes qui forment notre équipe, donc soudée et dynamique, je me fais un devoir de mettre mes compétences au service d'un projet pour notre village, projet tourné vers l'avenir. Je vous remercie. Merci Marcel, je suis juste un point pour que les choses soient claires par rapport aux employés municipaux. Vous voyez, il est tradition en France, quand les choses financières ne vont pas très bien, de se retourner vers un fonctionnaire. C'est comme ça, il y en a trop, il ne travaille pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'histoire française, au début, c'était les humoristes qui regardaient les fonctionnaires. Vous vous souvenez, hein, Fernand Renault, le 22 Agnières, etc. Voilà. Coluche, hein. Les fonctionnaires, il y a ceux qui partent en avance, qui croisent ceux qui arrivent en retard, etc. etc. Et puis ensuite, ça a été plutôt les politiques qui se sont mis à taper sur du sucre sur le dos des fonctionnaires. On ne s'associera pas à ça. Que ça soit clair pour tout le monde, c'est pas notre truc de s'associer à ça. Bien sûr que l'on regardera le fonctionnement de tous les services. Bien sûr qu'avec l'ensemble de ces fonctionnaires municipaux, on essaiera d'améliorer ce fonctionnement. De faire ce que font toutes les entreprises du secteur marchand, de faire mieux avec moins, puisque tout le monde a réduit à ça aujourd'hui, mais ça sera fait avec les employés municipaux, comme l'a dit Marcel, parce que c'est eux qui ont la connaissance, c'est eux qui ont l'expertise, et c'est eux qui ont le savoir-faire.